with me. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lille. Salut à toi Lille. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme d'habitude, un sorte d'essai de ne pas rire, où on va un tout petit peu se foutre de la gueule de l'homme. Et oui, parce que nous les êtres humains on est cons des fois, on cherche vraiment la douleur bêtement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, des fois on cherche la douleur bêtement. En tout cas, je voulais juste vous remercier pour un truc. Le retour sur les vidéos d'hier, vous avez juste été énorme. Mouah, vous m'avez régalé. Merci à vous tous pour les retours sur les vidéos d'hier. Vous avez vraiment été des amours. Mille merci. Bref, vous êtes prêts les frères et sœurs quand même, on va décoller pour cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude si vous aimez bien sûr. Et si vous voulez, n'oubliez pas toujours le petit like qui fait toujours extrêmement plaisir. Tu es chaude? Oui. Tu es prête? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Ok, on y va. Ah, ça commence avec ok, ça commence avec de la balançoire. Elle va péter. Non. Non. Il a juste voulu faire le bad boys et sauter, mais malheureusement un bout de son cul est resté coincé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh putain. Son frère est tombé derrière, t'es pendant qu'elle se filmait. Ça devait être une YouTubeuse vlog, t'as vu. Comment s'ouvrir le crâne facilement? Ah, j'aurais le seum, moi. Bon, j'espère que c'est une petite caméra costaud, quand même. Ah ouais, elle va moins bien, la caméra. T'as vu, elle était un peu moins nette au début, hein. Oh, le pauvre. Il s'est pris le truc? Ouais. Ah, j'avais pas vu, j'ai entendu un bruit. Alors ça, c'est comment se péter un os, comment se faire très mal, quoi. Et ça aussi. Ça aussi. Ouais, c'est fait victime par une vague. Parce qu'elle est trop maigre. C'est pas gentil de dire ça. Bah si. Je me sens... Attends, oh, je me sens visé, là. Quand t'es mec comme ça... Oh, je me sens visé. C'est rapide, hein. Je me sens insulté par ce qu'elle vient de dire. Ça, t'es pas maigre, non plus. Ah ouais, non, c'est vrai, attends. Super musclé, le type, hein. Oh, elle, elle a dû se tuer. Ah. Ok. Oh, oh, oh. Ouf. Ah. Alors, moi, là, le mec, comme ça, je le tue, quoi. L'atterrissage était bien, mais bon. Non, mais attends, c'est le genre de mec aussi qui provoque, hein. Le mec, il va atterrir dans des parkings alors qu'il y a des endroits spéciaux pour atterrir. Bah après, tu sais pas s'il faut, il y a eu un problème, hein. S'il faut, il y a eu un problème. Attends, tu vois pas que le mec il atterrit tranquillement en mode sur un parking? Et alors? Tu atterris pas sur un parking en parachute, c'est interdit! Il a eu un problème, le monsieur, il a dû aller quelque part, il est arrivé sans pression parce que il faut pas qu'il stresse. Et voilà, un coup de vent et il atterrit dans une moto. Bah, il y a des explications. Attends, on va commencer à se punchline dans cette vidéo, ça va aller loin. Alors, madame, s'il vous plaît, je vous prie de me respecter, de 1. De 2, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Il y a une énorme distance entre le parachutiste et le sol. Cet homme avait tout le temps de calculer sa trajectoire et son atterrissage. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi, madame. Un parking, c'est quand même assez grand. S'il aurait voulu ne pas atterrir dans le parking, il aurait eu tout le temps dans les airs de ne pas atterrir sur le parking. Donc en fait, tu as peut-être raison. Voilà, tu as peut-être raison. Non, mais... non, j'ai pas peut-être raison. T'es sûr de toi? Pour toi, tu as raison et j'ai tort. J'ai raison. On continue. Qu'est-ce qu'on aime les combats de couple comme ça, qui veut avoir raison, qui a tort et tout? On aime bien, hein, c'est bien. Hein. Ah, hey, pour certains, ils se disent, ouais, non, mais putain, ils sont relous, ils s'embrouillent. Hey, vous aussi, vous êtes pareil avec votre copine. Hein. Vous allez toujours vouloir avoir raison. Et surtout, elle voudra toujours avoir raison, madame. Hein? Ah, d'accord. Hein, parce qu'elles aiment bien avoir raison, les femmes. Elles aiment bien. Ah, tiens, regarde. Regarde, je te resume la vidéo. Regardez par vous-même. On doit être dans le Nevada. Regarde le désert qu'il y a devant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'immeubles, là. On peut pas dire le type, il a pas provoqué. Il a provoqué. On est dans le désert du Nevada, regarde tout l'espace qu'il y a devant, regarde. Ah, tu me fais chier, hein. C'est bon, t'as raison. Ah, waouh, les gars, il a dit ça. Non, mais je dis ça pour lui faire plaisir, parce que sinon, on va rester sur cette vidéo pendant 3 jours. Elle a dit que j'avais raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous allez voir, vous aussi, quand votre copine vous dira pour la première fois que vous avez raison. T'as dit que j'ai raison? Pour te faire plaisir, parce que sinon tu vas jamais relancer cette vidéo. On relance la vidéo. J'ai quand même pas envie de relancer la vidéo. Putain. Pas trop chaud. Abdel? Oui? Relance cette vidéo.
Non. Sinon. Non, 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 non. Je me lève et non, je me casse. Non et non. Je me lève et je non, me casse. Non, attends. Les frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, m'en voulez pas. Et toi aussi, m'en veux pas. Pour une fois, j'aimerais juste que ma femme me dise que j'ai raison. Alors, mais je t'ai dit que t'avais raison. J'ai raison, mais tu dis pas ça pour me faire plaisir. Un petit peu. Ah non, faut que ça soit entièrement pour me faire plaisir. Faut que ça soit entièrement. Ah, faut que ça soit entièrement pour te faire plaisir. Voilà. Non, entièrement. Ah, non, tu l'as dit toi-même. Je te dis ça entièrement pour te faire plaisir. Non, entièrement véridique. Faut que ce soit... Ça me ferait mal de le dire. Je risque de m'étouffer. Tu vas étouffer que dans la gueule, tu vois. Allez, next. Allez, on continue. Certains, ils doivent se foutre de ma gueule, ils doivent me dire « Tonton, c'est bon, c'est pas grave, on lance la vidéo. » Mais vous savez pas, les refs, voilà, vous savez pas. On les aime, hein, nos petites femmes. Comme on dit, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Bon, moi, elle est très petite au niveau de la taille, donc c'est un peu la merde au niveau de ça, mais... Oh, ça va, ouais, sans l'autre, ouais. Je rigole, je rigole. Je fais le bâtard. Non, mais, sérieusement, la femme est importante pour nous. Mais j'aime bien quand même qu'elle me dise « Mon cœur, tu as raison. » C'est gentil, c'est mignon, hein. C'est toujours, nous, les hommes, on est comme ça. On a toujours besoin d'avoir un petit peu raison, quand même, tu vois. Donc, j'ai raison ou pas ? Oui, ah oh putain, oui, tu as raison, Abdel. Merci. C'est bon, on peut relancer la vidéo maintenant. Eh, c'est pas ta copine, ça ? Mais veux niquer ta race ? Oh, comment tu parles de mais ma race ? Je la connais pas ! Elle vient d'insulter notre race, qui est la race humaine. Elle vient d'insulter tout le monde, là. Mais ça va, je me suis auto-insultée. Et pourquoi ça serait ma copine ? Eh, attends, s'il te plaît. Pourquoi elle est en pleine neige, dans une montagne ? En robe de chambre, avec une petite tenue jaune et un bâton de montagnard. Je vois pas où c'est que tu vois du jaune. Pourquoi j'ai dit quoi jaune? Bah t'as dit en petite tenue jaune. Ah, en petite tenue rose, pardon. Excuse-moi, autant pour moi. Ok, en petite tenue rose, excusez-moi. Le mec il connaît pas ses couleurs. Si, 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 rose, jaune, vert, bleu. C'est un mec qui connaît pas les couleurs. Ça serait trop marrant, n'empêche. Bon, on est reparti. On est reparti. On regarde la copine Alia. Elle a de la sauce, elle est pas à la camba. Elle arrive pas trop sinon. Oh le bâtard. Quoi? Non, c'est pas méchant. Il s'est pris un palet de basket dans la tronche. Qu'est-ce qu'il faut? Oh là là, oh là là. Oh, oh, oh les cons. Ils ont voulu la faire à la Jules, mais ça a pas trop trop marché. Ouais, non. Jules, il compte du mieux qu'il chante lui en scout quand même. Oh putain, oh putain. Oh putain, je l'en sens mal cette histoire. Oh. Alors, elle s'est trompée, ça a collé contre le mur. Ah, oh, c'est ce que je faisais avant. Oh non. Oh. Non, c'est rien, ça va, il est juste bloqué. Non, 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 non. Non, ils mais ont pas bouffé a les coucougnettes. Toucher quand même. Qu'est-ce qu'il fait? 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 Ah. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas être la même pour l'autre. Ah bah oui. Il est parti du côté où c'est très mouillé, du coup il a glissé à l'atterrissage. Okay. Le mec il a vu rire de clown l'autre. Oh, oh. Go faster, Sean, faster! Faster, 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 faster! Oh, il a voulu freiner au mauvais moment. C'est pas là où il fallait freiner, frère, il fallait freiner soit avant. Aïe! Aïe! Soit après. Je pense qu'il est ok, ouais. Mais tu peux quand même aller voir ton fils. Pas pourquoi. Mais je sens que ça va mal finir cette histoire. Elle va partir en arrière. Ah non, en avant. En plus, bêtement, tu fais jamais ça. Quand quelqu'un tombe vers l'avant, tu lui tiens jamais les pieds. Petit. Oula, elle a pas assez enlevé. Elle a failli finir avec deux bras en moins. Aïe! Oh putain! Ah, ça va encore là, mais bon, il aurait pu se remettre. Hein. Ouf. Aïe! Ouf! Ah, ma pauvre petite! Ah oui, j'ai le même sol chez moi et ça glisse, ouais. Souvent en chaussettes, ça glisse, malheureusement, oui, j'ai le même sol. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est quoi qu'il a? Un stylo, non? Je sais pas. Un stylo, je crois, ouais. Il essaie de le casser avec sa tête.
Bon, écoutez, il reste encore un petit bout de compil, la moitié pratiquement. On se la refera, je pense, pour la prochaine fois. Si vous êtes chaud, vraiment explosez la barre des likes. Je ne vais pas vous donner un palier à atteindre. Ce n'est pas important, comme je dis, c'est juste un essai de ne pas rire. Quand il y a un palier à atteindre, c'est vraiment pour voir si vous êtes chaud. Je sais que vous aimez bien ce style de vidéo, donc j'ai pas besoin de vous demander un palier à atteindre, 20 000 ou 30 000 ou quoi que ce soit. Je vous demande rien du tout. Mettez juste un petit like si ça vous a plu, ça nous ferait plaisir. Et mettez-nous un petit like aussi pour nous faire plaisir, ça ferait plaisir aussi, c'est logique en même temps. En tout cas, nous on vous dit prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous bien sûr pour plus de vidéos. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. On vous dit en tout cas, prenez soin de vous et de votre Mifa. C'était Tata et Tonton. Ciao! I touch you, take my hand through the flame.